Voilà. Et heureux. Heureux le live. Et je perds des images. Je perds toujours des images, je comprends pas. Attendez, on va... Voilà, et heureux, et de nouveau heureux. Là, j'ai décongestionné le réseau. Là, normalement, ce serait un peu plus fluide. Là, il va y avoir un peu plus de fluidité. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire clac. Et je vais remettre. Tac, 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 tac. Alors. C'est dans. Ici. Tac. Paf, 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 le loup. Et là, normalement, si on regarde bien, et re-YouTube, désolé, on fait quelques essais, hein, on a changé des réglages et ça a été une catastrophe. Et là, si je regarde... Bah, là, c'est nickel. Bah, là, c'est nickel, là, j'ai retrouvé une bonne qualité. Bon, bah super, bon, bah voilà. On continue comme ça. Voilà, donc c'était des réglages de merde. J'ai eu des petits réglages de merde, mais c'est pas grave. Ah, trop de chutes d'images, ça se ressentait au niveau de la qualité. La qualité était complètement dégueulasse. Déjà de base, j'essaye de faire du mieux que je peux, mais là... Quoi? Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Voilà. Voilà. Allez, on te remonte, monsieur. Ils ont brûlé ton chariot. Mes outils et mon équipement avaient de la valeur pour celui qui sait les manier. Bon, je ferai mieux d'y aller. La prochaine auberge est encore loin. Merci encore pour votre aide. Tu n'as pas de maison? Ah non, j'étais un joyeux citoyen de Boston jusqu'à peu. Mais comme n'étant pas un partisan de Sa Majesté, les loyalistes m'ont chassé de ma menuiserie et de ma demeure. Tu cherches un endroit où t'installer, beaucoup de gens ici seraient ravis de pouvoir compter sur les services d'un bon artisan. C'est vrai? Je vais aller voir. Ah, let's go, on a un menuisier. Ouais. Oui. Est-ce que nous avons une autre mission pour le domaine? Ça c'est quoi? Babiole de jambes de bois. S'en fout. Ébéniste de Lens. On s'en fout un peu. Allez, on retourne voir le vieux Achille. Là c'est beaucoup mieux. En fait, je pense qu'il y avait un problème au niveau du serveur.
On a essayé de mettre un serveur, on va dire, local. Et ça a été une catastrophe au niveau du stream, c'était une catastrophe. Donc autant laisser en auto. J'ai remis une qualité maximale histoire d'avoir une qualité, une meilleure qualité. Là, ça se ressent, c'est un peu mieux. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et on n'a plus de pertes en image. Ça, c'est cool. Pouet. Ouais, désolé YouTube, t'auras une double VO. Voilà, mais après ce sont les aléas malheureusement. Bah, tant que je n'ai pas la fibre, c'est compliqué au niveau des réglages, mais voilà, je peux quand même pas faire... Faut quand même pas me permettre de faire de la merde. Alors que je n'ai pas la fibre. Ah, te voilà. J'ai quelque chose à te montrer. Approche, viens voir. Qu'est-ce que c'est ? Un registre. Il nous permet de suivre les affaires du domaine. Et là ? Ah, ça remonte à des années. Avant la fièvre lente, avant les Templiers. Avant que tout s'effondre. Mais c'est du passé. Mieux vaut se concentrer sur l'avenir. Prends le registre. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. La réserve permet d'acheter des objets aux habitants du domaine d'afficher les objets en votre possession. Thierry Godfrey propose actuellement du bois de chêne à vendre. Plus tard pour acheter le bois de chêne. Donc il m'en faut 3. Mais j'ai pas assez. Ah merde. Ok. On voit qu'on voit. Ah d'accord, donc c'est ça, ok. Ouais, mission complete. Oh. Le temps est très vite passé. Mes journées défilaient entre l'étude, l'entraînement et le travail. Le peu de temps libre que me laissait Achille, je le consacrais aux Templiers. À Charles Lee et à mon père. J'étais impatient de les affronter. Hop et hop, on change. Leur complot et d'assurer la liberté et l'avenir de mon peuple. Par contre, là, juste on repère là. Voilà. Mais je savais qu'il était trop tôt. La mort m'était promise face à de tels ennemis. Tout mon travail serait. Le bateau est pris. Magnifique. La patience fut la discipline la plus difficile à maîtriser. Petit à petit, j'y suis pourtant parvenu. Les jours se sont mués en mois, et les mois en années. Mes compétences et mon savoir ont grandi. Et moi, avec eux. Bien le bonjour. Salut. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Connor Davenport, ok. Abigail Davenport. D'accord. Je suis déjà mort ? Ah ça c'est au cas où quoi. On peut dire que tu sais manier la Batman. Et salut le Dante. Heureux plutôt, comment ça va ? Alors ces nouveaux réglages, ça dit quoi ? Bah j'ai dû les changer les réglages parce que ça a été une catastrophe. Ça a été une cata, j'avais 50% d'images perdues. Le stream ça allait, hein, enfin, ça allait. Les voyants étaient rouges au niveau de, d'OBS. Il n'y avait, aucun vert, aucun voyant vert. Et le stream ramait un petit peu quand t'avais des images de perdu.
Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai fait des tests, du coup j'ai coupé, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu, 2-3 coupures. Et en fait ça venait du serveur, comment on a sélectionné le serveur Marseille. Là je l'ai remis en auto, et c'est beaucoup mieux en fait. C'est beaucoup mieux, ce serveur Marseille, c'est une catastrophe. Après c'est Marseille, c'est normal, mais... Mais ouais, non, ça a été... Oh, lui, il veut jouer, hein, ça a enculé. Alors, ce bateau. Alors, ce navire. Alors, il faut qu'on aille ici équiper l'Aquila de canon à Martha's Vineyard. Des officiers doivent également être engagés pour commander ces canons. Allez, c'est parti. Monte à bord et admire-moi ça, gamin. Et là, c'est beaucoup mieux, là, tu vois. Non, pas le pied gauche. Jamais le pied gauche, ça porte malheur. Pose le pied droit. Ça, c'est malheur qu'on se capte plus tard. Ça roule. La bise, ça marche, la bise. Ouais, du coup, c'est beaucoup mieux. Robuste. Si déjà ça arrête de crash, bah là, pour l'instant, ouais. Ça pas crash. Hein. C'est cool. Fin et agile. Il atteint les 12 nœuds par grand vent. Dans ses bons jours, aucun navire n'est assez rapide pour le battre. Ça te dirait de l'emmener en mer pour que tu vois ce qu'il a dans le ventre. Où est-ce qu'on ira? Là, on lui trouvera des canons et de bons officiers pour les manœuvrer. On prend la mer dans l'heure. T'en fais pas petit. Tu auras vite le pied marin. Hissez la grand voile, grimpez dans la mâture. Allez, tirez, plus fort, matelot. Emmenez-moi ce beau navire en haute mer. Alors, encore une cinématique ? Ah, bah oui. Allez, petit, faut savoir profiter de la vie. Et là, c'était les débuts, voilà, des... Là-bas. Du côté naval des Assassin's Creed. Allez, il va pas te mordre. Vous êtes libre. Amima. L'Aquila a repris son envol. Tu le sens, petit. Mets le cap sur Martha's Vineyard. C'est là qu'on trouvera nos canons. Bah attends, c'est où Martha's Vineyard? Merde! Putain, c'est pas intuitif la caméra. La carte est pas intuitive du tout. C'est un navire agile, mais plus il va vite, plus il devient difficile à manier. Et plus ta main devra être ferme sur la barre. Profite ouais, de ces là-bas. Eaux profondes avant que nous n'arrivions sur ces hauts fonds. Fais hisser toute la toile si tu veux. Allez! Je veux toute la toile! Allez chercher le vent! Allez, pleine voile! C'était les débuts du côté naval des Assassin's Creed, qu'on ne retrouvera plus d'ailleurs. Après Black Flag, on ne retrouvera plus ce côté naval. Le vent est en train de tourner! Sois vigilant, Connor! Les vents changeants sont toujours traîtres! Faut aller plus vite. Allez, toute la voile. Et on fait gaffe. Réduisez. Abîme. Allez, fais-nous traverser ces hauts fonds. Tâche de ne pas nous échouer. Les bancs de sable ralentissent, mais les récifs trouent la coque. Et si tu veux tirer une bordée, fais trousser la voile à Mima. Le navire sera plus maniable. On reste à Mima. Parce que là, il va y avoir des vents changeants. Ça va être le bordel au niveau de la circulation. On voit déjà au niveau de la map.
Le nombre de bateaux. Si j'aurais pris l'autre côté, j'aurais... Perso, j'aurais pris l'autre côté. J'aurais tendance à prendre l'autre côté. Mais vous avez vu, il y a le bateau qui attention arrive. Aux autres navires. Contre sens. Tiens ton amure pour conserver ton droit de passage. Ouais. On va aller tout droit. On va aller tout droit. Hein. Et on va rester à Mima. Allez, on va se faire un petit plaisir. Oui, c'est la grand voile. Attention, il y aura le vent changeant. Vous voyez, un bon vent changeant là. Qu'est-ce que je disais? Il va y avoir un vent changeant. Comme par hasard, il y a un récif qui s'approche. Bam! Petit courant d'air là. Petite brise de merde. Là, 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 là. Voilà. Ouais, il va falloir qu'on accoste, ok. Des maisons. On approche. C'est vachement maniable, hein. À l'arrêt ! Repliez la voilure ! C'en est presque bizarre. Tellement que c'est super maniable. Amenez un imam. Ouais, la imam. Repliez toute la toile. Jette l'onde. Ah bah voilà. On va à terre acheter nos canons et trouver nos hommes. Oh, bonjour, Miss Monday. Vous êtes aussi ravissante que dans mon souvenir. Après toutes ces années, tu reviens en vignard pour me dire des jolies choses. Nous cherchons David et Richard Clutterbuck. Ravi de te savoir de retour. Robert Faulkner. Mais où diable t'étais passé, hein? Désolé de vous avoir abandonné, les gars. Mais là où j'allais, personne ne pouvait me suivre. Vous avez du travail? Non, on est entre deux navires. Eh bien, je cherche des officiers canonniers. Ça vous dirait de reprendre la mer avec moi? Si tu nous promets qu'on va pas s'ennuyer. Tant mieux. L'Aquila est un beau vaisseau. On est en train de l'armer de canons. On dirait que ton ami va se prendre une rossée. Où est Charles Lee? Oh, je n'aime guère tes manières, mon garçon. À ta place, je ferai pas ça, Beedle. Bobby Faulkner qui joue les nourrices. Tu as enfin compris que tu ne valais rien en mer. Wow, wow, wow. Je veux pas de ça chez moi, messieurs. J'ai jamais accepté ça chez moi. Bobby, rassemble tes gars et sortez d'ici. Allons-y, les gars. Nos canons sont fin prêts, j'en suis sûr. Oh putain, comme il cherche la merde! Oh, mais c'est abusé! Donc, on aura de chercher la merde! Allez, on repart. La toile est en place, capitaine. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Le plus âgé est un Templier. Qui était l'autre? Un Templier? Le plus jeune s'appelle Nicolas Beedle, un petit marin de rien du tout. Un simple aspirant de la couronne. Les canons sont prêts? Oui, mais ne va pas trop vite en besogne. On va d'abord dénicher une cible pour t'apprendre à tirer. On a embarqué que quelques modestes petites pièces pour l'instant, mais
Ne t'en fais pas, il reste encore beaucoup de place pour en ajouter. Ah oui. Il faut qu'on pimpe le bateau. Pimp my boat. On dirait une frégate anglaise à moitié engloutie. Ce sera idéal pour un petit entraînement. Très bien. Viens par le travers, et quand tous les canons seront sur la cible, crie feu. Bien joué, petit. On vous voudrait, maintenant, pointe toutes les pièces sur sa proue et fais le plus de dégâts possible. Préparez-vous à faire tirer une portée. Boum, 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 ouais. C'est raté. Mieux vaut refaire un passage. Ah. Bon, là. Bien. Maintenant, passe au canon sur pivot pour les tirs les plus précis. Illumine-moi l'horizon avec ces barils de poudre. Il coule. Non, mais il a déjà coulé. Pas mal pour un gamin, capitaine. T'apprends vite, petit. Quand quelque chose m'intéresse. Ah, tu prends le goût du large, pas vrai? On fera de toi un vrai loup de mer. Quand quelque chose m'intéresse. Le vieux va me tanner la couette pour t'avoir gardé si longtemps. Allez, reprenons le large. De la couronne, trouble à la navigation et j'en passe. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le choix, faut riposter. Poule, c'est le bon. Je veux réduire. Oui. Voilà. Regardez le move. Regardez-moi ce move que je vais leur faire là. Attention. Voilà, hop là. Ah, ça va, j'en fous. J'en crois pas mes yeux, en voilà une autre. Mais bon sang, d'où est-ce qu'elle sort celle-là? C'est le Templier. Bon, on s'est couvert. Merde. Voilà, ils ont plus de gouvernail de toute façon. Voilà. Entendu, matelot. Pas mal pour une première sortie, hein. Allez, rentrons. J'étais marin dans une vie antérieure.
Moi je devais être pirate hein, dans une vie antérieure. Hi ho, hi ho, et une bouteille de rhum. Bon, on n'a pas fait les objectifs secondaires, on s'en fout. Allez. Je les ai, toutes. Donnez-moi ce dont j'ai besoin, et elles sont à vous. Vous avez un navire? Alors elles sont à votre portée. Qui est cet homme? Lui, un vieux forban qui radote à propos de l'être du capitaine Kidd. Ce sont des légendes, mais il est inoffensif, alors je le laisse tranquille. Va le voir si tu veux, mais je te préviens, il te foutra plus la paix. Peu importe, l'Aquila est là si t'as besoin. On n'attend plus que toi pour mettre les voiles. Mais bon, dépêche-toi de rentrer avant que le vieux vienne me chercher un couteau entre les dents. Oh, de suite! Je le vois bien avec une corde et un couteau entre les dents. Sans même me dire au revoir avant de partir. Pardon. Mais bien, qu'est-ce que tu attends? Elle est à toi. Il fut un temps où cela donnait lieu à une cérémonie. Mais je crois que ces rituels ne sont pas faits pour les gens comme nous. Tu as terminé ton entraînement. Tu as des objectifs et des cibles. Tu es désormais un assassin. Bienvenue dans la confrérie, Connor. Et voilà, bienvenue dans la confrérie, Connor. Ah. Bienvenue, Desmond. Tu seras heureux d'apprendre que pour une fois, les nouvelles sont bonnes. Ah bon? J'ai réussi à localiser une source d'énergie, et elle n'est pas loin d'ici. Tu connais Manhattan? Vous êtes sûr qu'on peut partir d'ici? Y a pas de danger qu'Abstergo nous tombe dessus? C'est risqué, bien entendu. Mais on ne peut pas attendre en invoquant la chance. Il nous faut cette source d'énergie. Tu vas bien réussir à dissimuler nos déplacements. Peut-être. Les Templiers ont accès à tout un réseau de satellites et à de nombreuses caméras. Il va falloir trouver un moyen de masquer notre signature numérique. Je devrais aussi pouvoir sans trop de difficulté camoufler le van. Mais pour nous, je vois pas. Attends, ça je sais. Je mets une capuche et ça y est, je suis camouflé. Service public annonce aux populations qu'ils sont parfaitement préparés au pic d'activité solaire à venir. Les perturbations devraient donc être minimales. Si seulement ils savaient. C'est quoi ça? Une caméra télécommandée. Elle sera en mesure de nous fournir des images de ta progression. Non, c'est un hand spinner ça. Et ceci nous permettra de nous parler. On y est presque, alors écoute bien. L'artefact est dans un bureau, en haut d'un immeuble du sud de Manhattan. À cette heure tardive, on ne peut pas tenter une infiltration directe. Je crois qu'il vaut mieux te larguer tout en haut. Comment ça, me larguer? Ah ouais, ouais, tu vas prendre un hélico et on va te larguer. Lol. Testing. Testing. 1, 2, 3. Ouais, je t'entends très bien. Tu peux activer la caméra maintenant. J'ai une image. Lance le diagnostic. Parfait. J'ai un signal nickel. Oh, pour l'info, à partir d'ici, il n'y a plus d'ascenseur. Tu vas devoir grimper les derniers étages à l'ancienne. Ah bah super. Avec bien évidemment nos nouvelles techniques.
d'acrobatie. Avec genre des tuyaux en V, des trucs comme ça. Qui imitent les arbres. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Des passages en V. Bon, j'avais dit des tuyaux en V, mais... Merde, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça suffit. Ah, les petits passages comme ça là. Hop là. Ouh. Ouah. Superbe. Putain, Sean. T'es pénible. Évidemment. Allez. Je peux le faire. Voilà. Ah, il faut aller là. Là, il faut aller où? Il faut aller là. Alors c'est beau hein. C'est vraiment beau. Oh, toute beauté. Et on va grimper. Grimpons. Bah sympa Sean, ouais merci. Viens en bouillie. Ouais ferme là ouais. Non. Parce que là pour le coup oui j'ai failli finir en bouillie là. Je veux dire putain. Clac, 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 clac. Hop, les petits passages là. Voilà. Hop, oup. On esquive la petite poutre. La jarre, ça se casse pas la gueule. Et genre, ça bouge pas plus que ça. Tu y es presque, Desmond. Une fois au sommet de cette grue, tu devrais être assez haut pour effectuer ton saut. Je devrais. Super sympa. C'est franchement super sympa. Je pourrais t'inquiéter un peu. Elle était peut-être ivre quand elle a fait ses calculs. Sean. Je plaisante. C'était une blague. Quoique. Le bâtard. Ils ont le bâtard de service quoi. Voilà, allez, let's go. Yeah. Attention. Faut que tes guides sont prêts, mais attends mon signal pour ouvrir ton parachute. Le timing est crucial. Si tu déclenches trop tôt ou trop tard, tu rates l'immeuble. Ah. Attention, c'est parti. Maintenant. Ça y est, j'ai ouvert. Là, c'est moi qui contrôle. Voilà. Batman sur 20. Là, c'est quoi? C'est une caméra, ça? Non. Le fameux artefact. Là, Monsieur Miles. C'était pas si terrible. Alors, c'est toi, Desmond.
Je dois dire que je suis un peu déçu. Mais j'imagine que vous êtes un groupe de personnel ces temps-ci. T'es qui, toi? Demande à ton père. Allez, donne-moi ça. Je crois pas, non. Écoute, je ne suis pas censé te tuer. Mais je ne crois pas que le boss sera fâché si je t'explose ta gueule. Alors je vais juste te laisser. Oh là là, franchement, protagoniste sur 20. Qui est ce malade de Daniel Cross? Tu ne vas pas y croire, mais c'était un assassin. Et pas n'importe lequel, à ce qu'il paraît. Mais il était piloté depuis le début par Abstergo, programmé pour infiltrer et détruire l'organisation. Comment savait-il qu'on était là? La mission est compromise. Ils ont dû voir que je fouinais dans leur réseau, et ils ont envoyé Cross découvrir ce qu'on cherchait. S'il connaissait notre position actuelle, il serait déjà là. Mais une chose est sûre, ça ne présage rien de bon pour la suite. J'ai installé des caméras en haut. Si quelqu'un se pointe, on le saura. Tu devrais aller chercher un connecteur pour cette source d'énergie, à moins que tu ne préfères retourner voir Connor. Tous ces artefacts ne nous serviront à rien sans la clé. On va chercher une nouvelle source d'énergie, parce que je crois qu'il va y en avoir besoin. Fils, je te dois des excuses. Des excuses pour ? Je n'aurais pas dû m'emporter l'autre fois. Comprends-moi bien, j'ai jamais été un très bon père. Ah, ça c'est sûr. Sans compter que nous menons des vies qui sortent de l'ordinaire. Ouais, j'aimais plutôt bien ma vie ordinaire. Ton destin était tracé dès ce monde. Ça, j'ai remarqué. Écoute, c'est idiot de continuer à se disputer comme ça. J'admets que j'ai été nul. Je te fais mes excuses, je suis navré. Mais tu dois comprendre que je n'ai jamais voulu te faire du mal. Tu es mon fils, et je t'aime. Tu es mon fils, ma bataille. J'étais tellement occupé à veiller à ce que rien ne dérape, je n'ai pas pensé aux conséquences de mes actes. Bon, est-ce que je peux mettre... oui, allez, je peux mettre le cube, là. Donc là, on peut retourner dans l'animus. Parce que j'ai cherché une nouvelle source d'énergie, là. Ils sont où, là? Ils sont où, les zozos, là? Les zozos rigolos, là, ils sont où? D'accord, on peut pas grimper. On ne peut pas aller plus bas, enfin plus haut. On peut aller plus bas, ça oui. Ah, ils sont là-bas. Oh, Desmond, te voilà. Je peux te demander un service? Dis toujours. Quand tout sera fini, j'aimerais programmer l'animus pour revenir au tout début. Aux origines. À l'époque de la première civilisation. Tu penses que ça marcherait? Il n'y a pas eu de réelle dégradation quand tu as incarné Altaïr. Mais bon, c'était juste il y a un millier d'années, et là j'envisage de remonter au moins 70 000 ans plus tôt. Ouais, je veux bien le tenter. Ce serait intéressant de voir à quoi ressemblait le monde à l'époque. Formidable. Je pense que ce sera très enrichissant. C'est tout? Mais sa source d'énergie, là, comment on fait déjà? Ah, il y a quelqu'un là-haut. On va aller voir. À moins que ce soit le daron, ouais, c'est le daron, on s'en fout. Donc là, la source d'énergie, là, comment on fait déjà pour les activer? Il va falloir que je fasse le tour, je pense. Comme j'avais fait la dernière fois. Ah, Minerve. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, il n'y a qu'un moyen de le savoir.
il faut les placer pour ouvrir le seau. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça qu'on fait. Et là, du coup, là, ça nous a ouvert ce passage-là. Qui nous amène à un autre endroit. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-il fixe ? Immuable ? Irréfutable ? Attendant simplement d'être découvert ? Ou est-il modifiable ? La réponse est d'avoir réussi. Et nous avons pensé qu'il serait. Elle servait à commander, à contrôler, à posséder. Mais nous avons découvert notre usage. Lorsque suffisamment se soumettaient à son emprise, leurs pensées prenaient forme. Ce qu'ils imaginaient que nous étions. Si une centaine d'esprits pouvaient effacer un mur ou créer un arbre, alors quel était le pouvoir de 1000, de 10 000, ou plus? Pourrions-nous changer le consensus et dissiper la menace? Nous décidâmes d'en expédier une dans l'espace pour nous illuminer. Une seule phrase animerait nos esprits. Protège-nous. Nous allions modifier le consensus. Nous allions sauver le monde. Mais ce fut un échec. Nous en envoyâmes une douzaine, sans jamais parvenir à en garder le contrôle, à orienter leurs faisceaux, à captiver les armes, à prononcer les mots. Cette idée était étrange et dangereuse, mais la suivante fut bien pire. Aïe, 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 aïe. C'était pire. Ouais, il faudra la relique pour y aller. Sans la relique, on n'y va pas. On va aller dans l'animus. Allez, let's go l'animus. Bonne chance, merci. Nous vivons une période agitée. L'alliance fragile entre la couronne et ses sujets se dégrade chaque jour. Et dans les coulisses des deux camps, les Templiers avancent leurs pions en attendant leur heure. L'histoire nous enseigne qu'ils cherchent à imposer l'ordre en contrôlant le pouvoir. Mais comment comptent-ils procéder ici ? Connor ! Qui les soutient ? Quels plans ont-ils déjà mis en œuvre ? Bien je sûr ! Je dois le comprendre. Regarde ça. Mais qu'en connaissant l'ennemi, que je pourrais l'arrêter. C'est quoi ? Un Shengbao. Une dague à corde, si tu préfères. L'un des nombreux plans que Shao Jun avait remis à... Pardon. Il va falloir t'entraîner. Shambao. Ganondorgon. Oui, mon ami. Qu'est-ce qui t'amène ? Le village est menacé ? Pas encore. Comment ça ? Qu'est-il arrivé ? Des hommes nous ont demandé de partir. Ils disent que les terres seront bientôt vendues, que la Confédération a accepté. Nous avons tenté de la dissuader. Vous devez refuser. On ne peut s'opposer au Sachem, mais je partage ton avis. Nous devons garder nos terres. Qui est cet acheteur ? Sais-tu qui est derrière tout ça ? Son nom est William Johnson. Où est ce Johnson ? À Boston, pour faire les préparatifs de la vente. Vente ? C'est un vol ! Prudence, Connor. Ces gens sont très puissants. Que voudrais-tu que je fasse ? J'ai promis de protéger mon peuple. Si tu tiens à t'engager dans cette voie, va voir Saint Madame à Boston. Il pourra t'aider. Qu'est-ce que tu fais ? Dans mon
Ton peuple part en guerre. Il plante une hache dans un poteau avant de combattre. Quand le danger est écarté, il la retire. T'aurais pu faire ça sur un arbre. J'avoue, t'aurais pu faire ça sur un arbre. Mais non. C'est non. On va aller à Boston du coup. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, il y a des missions de domaine là. Ouais, si on allait faire les missions de domaine d'abord. Ah, ce serait pas mal de faire les missions de domaine. Shao Jun! Rappelez-vous de Shao Jun. Eh oui, rappelez-vous. Le Shao Jun. Assassin's Creed Ember. Alors, Achille. Qu'est-ce que tu as à me proposer comme mission ? Nord. Je me suis dit que quelle que soit l'issue des événements, notre époque serait sûrement étudiée de près par les générations à venir. Par conséquent, je crois qu'il serait utile de garder une trace écrite de ce qui se passe sur le domaine. Un journal retraçant la vie quotidienne en cette époque de changement. Mais quelque chose de vivant. Qu'en penses-tu ? Si je trouve le temps, je le ferai. Très bien. Ok. Maintenant, LT pour étudier les habitants, ajouter des informations dans l'encyclopédie de l'homme ordinaire. Nous avons des missions là aussi. Nous avons une mission là. Mission domaine. Comme ça, ça rapporte. Ça apporte de la moula pour le domaine et ça va nous aider pour les missions. Six améliorations, bataille navale, etc. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça va ? À votre avis. Comment est-ce arrivé ? Des braconniers en forêt. Je leur ai dit de partir et voilà ce qu'ils ont répondu. Suivez-moi. On va s'occuper de votre bras. Et les hommes qui m'ont fait ça ? Ils peuvent attendre. Pas votre blessure. Oh là là. Vous pouvez tenir jusqu'à la maison ? Oui. Je ne crois pas que l'os soit touché. Quel est votre nom ? Myriam. Vous vivez près d'ici ? Ah. Je n'ai pas vraiment de maison. Je suis venue sur la frontière quand j'étais jeune et depuis j'y vis. Je vais là où la terre est la plus accueillante. Un mode de vie plutôt rare pour une femme des colonies. En effet, pour tout vous dire, c'est... Ah le vieux, tiens le vieux. Connor, où est-ce que tu vas ? Ces braconniers doivent être arrêtés. J'ai vu ces crapules depuis mon affût. Allez-y, et vous n'aurez aucun mal à les trouver. Utilise le Shenbao si tu peux. Tu dois t'y habituer. Ah. Mais pas sauver votre convoi. Quoi ? Oh, bah merde, hein. J'ai donc faut que j'utilise mon Shenbao. On fait déjà. Merde. Non, ça s'est sauté. On fait déjà pour les chaînes Bao là. Ça, il va falloir qu'on prenne de la hauteur. Bon, au moins c'est réglé.
Ah là 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 là, je me rappelle plus comment on fait, enfin je me rappelle plus, je... touche là. Je n'y arrive pas, c'est comme le l'arc, j'arrive pas non plus. Ah putain. Connard. Le sacré connard. Non. Fais pas m'égosiller, putain! J'ai plus de voix, je suis malade! Mais. Oh, mais c'est pas vrai! Ah, tu vois, monte. Mais monte! Oh là là! Voilà! Oh putain! Voilà. Forme. Allez, let's go. C'est donc ça le Shenbao. Apprenons à maîtriser le Shenbao. Alors est-ce que j'ai une hauteur? J'ai possibilité de prendre de la hauteur là, je pense, ouais. J'ai pas la possibilité. On va y aller en mode discretos. Ah oh, mais sérieux, je vais me faire niquer par une QTE. Merde. Mais il est sérieux le PNJ là? Ah ouais, il est sérieux. Il s'est barré à cause d'un loup. Si je peux le choper au Shenbao, ça serait cool. Mais c'est quoi ce bordel? Mais putain, mais arrête de bouger! Non mais t'es sérieux là? Ah t'es sérieux là, Jean-Charles? Ah non mais il est sérieux, il est sérieux. Oh ouais. Truc de fou. Mais c'est un truc de malade. Il arrive, il arrive, il arrive.
Mais c'est un mongol. C'est un mongol. Oh la vache. Il court comme un débile après un loup. Et il me saoule, hein. Il me saoule la gueule. Non mais les deux là, les deux me saoulent la gueule. Hein. Non mais sérieux ? Ah le loup arrive. Oh là là, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ces gogoles là. Je vais me mettre là. Passer là. Voilà. Voilà. Mais c'est abusé, putain. Il est où le loup là ? J'en ai encore là. Encore deux braconniers à tuer. Pas de problème. Avec mon chêne Bao. Prenne des gains. On va prendre. Je sais que le braconnage sur mes terres. Grâce à un coup de Shenbao bien placé, on a réglé le problème. Quand même regarder un petit peu si la qualité est toujours là.
On prépare le live de demain, le live sur God of War. Et oui. Nickel. Nickel, c'est fluide, c'est propre, c'est nickel. Tout ce qu'on souhaite. Achille. Achille Parmentier. Merci Achille. Je t'en prie, Myriam. Pourquoi t'ont-ils attaqué? Le gibier ne manque pas sur ces terres. Je venais demander l'autorisation de chasser ici quand j'ai vu ces intrus. Et je les ai invités à faire de même. Les animaux de la forêt ne m'appartiennent pas. Tu as le droit de chasser sur ces terres. J'adore, il est pas là. Ce que tu as en trop avec les autres. Bon, très bien. Buggy Soft. Fouilleur à bord pour trouver du chat sont maintenant disponibles auprès de Myriam. Allez, let's go. Ça, ça nous fait de la moula pour le domaine. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand on est Myriam, après ouais, on a une discussion où on peut interagir. Voilà. Bon bah nickel. Nickel, nickel. Mais écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, c'est un petit live histoire de surtout tester les réglages. Ah, j'ai mis un marqueur personnel. Encore? Putain, c'est pas vrai ça. Ah, c'était surtout. Hein. Oh bah voilà. C'est surtout pour tester les nouveaux réglages. Bon bah voilà. En espérant que cette fois-ci ce soit de meilleures factures. D'accord, on va mettre... Ah merde! Ah bah non, ça m'a téléporté là. Ok, bon bah voilà, super! Écoutez, on va s'arrêter là. Peut-être qu'on reprendra tout à l'heure, je sais pas. On verra. Selon l'envie, là je suis un peu fatigué. Je vais aller me reposer. Je suis un petit peu fatigué. Voilà, bah écoutez. Arrêtons-nous là. Vers qui je peux vous envoyer? Qui est en live? Ah bah il y a le Dante. Le Dante, ouais. Qui est sur Dead Cell. Allez, c'est parti. On va aller voir le Dante. Ben nous, on se retrouve soit ce soir, si je suis en forme ou pas. Ou sinon, on se retrouve demain. Alors, pas à 19h. Je pense qu'on va se retrouver dans ces eaux-là. 14h, je pense. Plutôt, ça me paraît cool comme horaire. Pour la découverte de God of War. Voilà, bah écoutez, je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous, c'était Fouals, à demain, si vous le voulez bien, je vais me coucher, je vais me poser plutôt. Allez, let's go chez Dante, la bise, ciao.